in the world.
Well, ladies and gentlemen, what a beautiful collection of yearling fillies. And our judges will start at the top of the line, looking at each horse individually. So, guys, down the bottom of the line, you can stand. Your horse is a little bit more relaxed until the judges approach you. And ladies and gentlemen, I would just like to bring to your attention as well that this is an open championship. And that means the gold, silver or bronze can come from anywhere in this line. It is an open championship. So support your favourite horses. I'm sure our judges our internationally selected judges will choose their gold, silver and bronze champions of this 2016 Aho Breeders' Cup. So guys, down the bottom end of the line, you can stand relaxed until the horses, until the judges approach you, and the best of luck to all. Ce championnat yearling femelle regroupe donc les pouliches qui se sont qualifiées hier. Ce sont des jeunes femelles de 1 an. La plus âgée est née en janvier 2015 et la plus jeune au mois de juillet. Donc vous pouvez constater quelques différences de modèle, de croissance, ce qui est tout à fait logique. Puisque quelques mois qui peuvent les séparer ont un effet visuel surprenant. La croissance des chevaux est rapide et donc c'est vrai qu'on le constate avec l'évolution tout au long de la journée sur ces concours d'élevage, puisqu'après nous retrouverons donc les juniors femelles, elles auront entre 2 et 3 ans. Ces dernières peuvent être mamans à partir de 2 ans, mais la plupart des éleveurs attendent la fin de leur croissance à 3 ans, croissance qui se poursuivra pour jusqu'à maturité, jusqu'à l'âge de 7 ans pour un pur sang arabe, d'où une préservation très importante pour les membres, les articulations, les tendons, une bonne nourriture, un travail adapté à leur âge en fonction de leur croissance. Donc tous les centres d'entraînement pourront vous donner des conseils par rapport aux nouveau-nés. Puisque effectivement, pour parvenir à ce résultat, comme vous voyez sur la pelouse, ce sont de longues heures d'entraînement, mais sur des courtes séances, puisque l'attention de ces jeunes pouliches est limitée. 10-15 minutes, pas plus, mais c'est la répétition du geste, l'amour et l'attention que leur groom et leur entraîneur leur portent, qui arrivent à ce résultat-là. Nous aurons le plaisir d'accueillir à la remise des prix Monsieur Yvon Le Norcy, maire adjoint de Chantilly, qui représente Monsieur Eric Worf et Monsieur François Desaïdes, le maire de Coye-la-Forêt, vice-président de la communauté des communes de l'aire cantilienne. Un grand merci à eux d'accueillir ce concours depuis déjà maintenant 4 ans dans cette superbe ville du cheval qu'est Chantilly. Et cet écrin devant les écuries du château de Chantilly sied à merveille à l'ensemble de nos 10 pouliches ici présentes. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, il n'y aura pas de notes, c'est juste un choix des juges. Ils donneront leurs préférences. Première position, deuxième position, troisième pour les médailles. Titre toujours très recherché puisque ça récompense de longs mois d'élevage, puisqu'une jument poulinière porte 11 mois et 10 jours. Et qu'après effectivement la croissance de ces petites beautés
est un travail journalier. Le travail des éleveurs est un travail difficile. Et c'est pour ça que la Arabian Horse Organization a tenu à récompenser l'ensemble de ces professionnels qui ont choisi cette vie. Avec ces concours où les récompenses sont en numéraire. Donc merci à l'ensemble de nos sponsors. Ce championnat est sponsorisé par Ashman Stud, superbe écurie dans l'émirat de Ashman, l'émirat d'Arabie Unie, sous la direction de Son Altesse Sheikh Hamar bin Hamid Al Nuhaimi, le prince héritier de cet état. Quelques minutes de patience avant de connaître donc la lauréate et ses dauphines. Vous pouvez apprécier également les différentes robes ici présentes sur la pelouse et faire également votre choix. Exercez votre œil pour apprécier les différences, comme les juges, faites-vous plaisir. Et après, effectivement, un choix important, c'est celui du cœur dans le pur sang arabe. Et quand on choisit son sujet, si on veut en acquérir un, il faut aussi laisser parler ce dernier. Et ça sera le meilleur choix possible. This program is offered by EKS Alejandro. Alejandro is a breathtaking individual whose charm is infectious and whose presence is magnetic. Admirers around the globe speak of his remarkable impact. Whether they experienced his unforgettable spirit at the highest levels of competition or a visit to Giacomo Capacci Arabians, the place he calls home, he gives us a reason to dream. Number 8, D.A. Alejandra. His silver, number 14, Miami J. And his bronze, number 16, Issa 2. His fourth place, number 10, D.A. Little Princess. And making up his elite top 5, number 9, Arja Caprice. Thank you, dog. Mr. Yaroslav Lesina. His gold, number 14, Miami J. His silver, number 8, D.A. Alejandra. His bronze, number 9, Arja Caprice. In fourth place, number 10, D.A. Little Princess, and he's making up his elite top 5, number 3, Nejdal Angelina. Thank you, Yaroslav. And we move on to Mrs. Renata Shibler, her gold champion, number 8, D.A. Alejandra. Her silver, number 9, Arja Caprice. And the bronze, number 14, Miami J. In fourth place, number 10, D.A. Little Princess. And making up
Renata's Elite Top 5, number 3, Nejdal Angelina. Thank you, Renata. And last but no means least, Dr. Marek Trella, his gold champion. Number 14, Miami J. His silver, number 8, D.A. Alejandra. And his bronze, number 9, Arja Caprice. In fourth, exhibit number 5, Porcelain IS, and making up his elite top 5, number 12, Bahani Halandra. So ladies and gentlemen, with all the numbers in, the final appraisal and the gold champion of the 2016 Aho Breeders' Cup is going to D.A. Alejandra. La grande gagnante qui s'offre la médaille d'or ici à Chantilly, c'est mademoiselle D.A. Alejandra, une fille de EKS Alejandro et Adja Karina, née chez Malcolm. Pardon, EKS Alejandro et D.A. Miss Justice, née chez Diamond Arabian, Cornela Kornberger, sous la longe de Frank Spohnle pour l'Autriche. Superbe pouliche, totalisant 112 points. Congratulations, D.A. Alejandra. A daughter of EKS Alejandro out of D.A. Miss Justice. Owned and bred by Cornelia Kornberger. Congratulations. Son père, EKS Alejandro, est un étalon de tête de chez Abastoud pour le Royaume de l'Arabie Saoudite. Il nous a offert un magnifique spectacle à Menton cette année. Donc vous pouvez apprécier la production de ce magnifique étalon. And now for the silver champion. And the silver champion is going to exhibit number 14, Miami J. La médaille d'argent est pour la numéro 14, Miami J, une fille de RFI, Ktoub et Moritaji, née chez Christine Jamar, Jadan Arabian, pour la Belgique, avec un total de 100 points attribués par les juges. Miami J, a daughter of RFI Maktoba out of Mahita J. Bred and owned by Christine Jamar, Jadam Arabians of Belgium. Congratulations. And the final spot to take the bronze award is going to exhibit number 9, Arja Caprice. Et en troisième position pour la médaille de bronze, Adja Caprice, avec 84 points, une autre fille de KS Alejandro. Et Adja Karina, née chez Malcolm et Jan Eichford pour Adja Arabian, sous la longe de Tom Shawkins, pour le Royaume-Uni. Adja Caprice, a daughter of EKS Alejandro, out of Adja Karina. Bred and owned by Malcolm and Jane Hickford of Great Britain. Ladies and gentlemen, could you please be upstanding for the national anthem of Austria? Bien vouloir vous lever pour l'hymne d'Autriche, s'il vous plaît. Thank you.
So, ladies and gentlemen, félicitations. The photographs have been taken, awards awarded, so Mr. Spenley, Mr. Van Sass and Mr. Schukens, please take the gold, silver and bronze champions on their lap of honour. Merci à Franck, Frédéric et Tom pour ces très belles médailles et prestations ici sur la pelouse de Chantilly.